Je pense que tout un chacun qui fait ce métier, ça remonte au bébé qu'il a en lui, quand même. Mais pour dire quelque chose d'anecdotique, et que Winnicott a repris, ça m'a fait très plaisir. J'ai lu dans une introduction du livre, je crois que c'est de la pédiatrie, de Winnicott, qu'il avait été extrêmement impressionné par un film qui s'appelait L'extraordinaire docteur Doolittle. Et moi aussi. Et dans ce film, il s'agit d'un médecin qui arrive à comprendre le langage des animaux et qui leur parle. Alors bon, je n'ai pas du tout envie de faire la symétrie, mais il s'agit quand même d'aller à la rencontre d'un langage qui a lieu de décrypter et donner sens. Bon, alors c'est quand même quelque chose qu'on fait avec le bébé, c'est-à-dire qu'on lui suppose, je ne peux pas faire autrement que de travailler en supposant chez ces bébés une subjectivité et en les supposant sujets in initio, et donc en allant à la rencontre de leur langage qui n'est pas codé comme le nôtre encore.